Thank <music> you. Donc effectivement, voilà, moi c'est Maxime, Maxime Weber. Euh, certains d'entre vous me connaissent peut-être un petit peu en relation avec ce que je fais avec l'AFSI. Euh, J'essaie d'organiser des événements autour de, de Symfony, donc l'Association française des utilisateurs de Symfony euh, à Paris principalement. Sinon, je suis lead développeur chez Wichibam. Et chez Wichibam, pour information, notre mission c'est euh, de digitaliser les centres-villes et les centres commerciaux pour rétablir la confiance que les marchands peuvent avoir avec le e-commerce. Concrètement, je ne vais pas du tout vous parler de ce que je fais chez Wishibam, mais c'est plutôt en rapport avec un side project. Donc, Je vous présente Gameball. Euh, c'est un petit side project que j'ai développé, c'est un mini-jeu, c'est jouable en ligne, et c'est développé intégralement en JavaScript. Énorme frustration pour un développeur PHP qui déteste le JavaScript. Donc du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à le développer aussi en PHP, et on arrive à, à la présentation de ce que j'ai fait. Donc un jeu vidéo en PHP, comme, par où ça commence euh, Et imaginons un jeu vidéo, pas de type au game évidemment, mais un jeu vidéo sans HTML, un jeu vidéo sans CSS, un jeu vidéo sans JavaScript. Et là, ça devient fou déjà. <laughs> on est vraiment dans un autre monde. Mais commençons par la librairie qu'on va utiliser en premier. On va utiliser SDL. Euh, SDL, pourquoi Parce que c'est une librairie qui va nous permettre de créer des fenêtres et de manager tout ce qu'on fait dans la fenêtre directement. Euh, contrairement à d'autres librairies type GTK qui vont être utilisables un peu dans le même cadre. Euh, parce que ce sont toutes les deux des librairies C. Et ça, c'est un point très très important de, ce de cette conf. C'est que là, on est sur de la librairie C. Pour utiliser SDL en PHP, on a plusieurs méthodes. Euh, on a d'abord l'extension PHP qui est d'ailleurs une extension développée avec une très haute très haute qualité. Je remercie les, les contributeurs. Et FFI SDL, qui est aussi un, un très très bon package qui va nous permettre d'utiliser SDL à travers l'extension FFI de PHP. Et donc les, les deux sont très qualitatives. Euh, moi, du coup, j'ai dû faire un choix à un moment donné dans mon développement. Donc je vous ai fait un petit pro sur lequel on va s'attarder. Euh, donc, SDL PHP, l'extension, facile à installer avec Pickle, on a vraiment l'habitude. Le petit souci que j'ai rencontré, c'est vrai que sur Mac OS, euh, il va quand même falloir aller modifier directement le fichier de configuration, enfin le, le script bash qui vient donner les informations à la lib pour compiler l'extension. Euh, c'est quand même quelque chose d'un peu compliqué, mais il faut savoir que du coup, si jamais vous voulez le faire chez vous, ça fonctionne sur un Mac, il faut juste modifier euh, le fichier bash SDL2 config. Voilà, petite info. Euh, sinon, tout fonctionne très bien, autant sur Mac que sur Linux. Euh, il faut juste savoir que bon, voilà, c'est une extension qui est en bêta. D'ailleurs, pour l'installer, c'est pickle install SDL-bêta. Et euh, à ce titre, il manque certaines fonctions. Et bon, il n'y a pas encore de release pour PHP 8.2, mais c'est un détail à la limite, puisque c'est juste des, des usages deprecated. Ça va juste trigger des warnings. Ce pas forcément très grave. Au niveau de la lib euh, FFI, donc euh, la, Seraphim qui nous a développé une lib. Euh, qui va venir faire un, un espèce de wrapper autour de, de SDL. Euh, c'est très facile à installer, ça s'installe directement avec Composer. La, le seul gros problème qu'on a avec ça, c'est que c'est lent à démarrer, parce que FFI va devoir loader toute la librairie, et ça peut être un peu long. Je vous présente donc rapidement euh, comment on installe. Donc voilà, je ne vous ai pas menti, c'est hyper facile. Euh, D'un côté, on fait du bro install pour Mac, de l'autre côté, on va venir faire du sudo euh, apt-get install, ça va très vite, c'est très simple. Euh, pour l'extension, c'est du pickle, pour euh, la librairie, c'est du composer-require-install. Les deux, c'est assez simple. Euh, petite, euh, petite remarque pour Linux quand même, c'est que ça va venir installer une librairie de SDL peut-être qui est un peu vieille, ça peut valoir le coup de la compiler à la main. Euh, configure, make, make-install, c'est hyper simple, ça va très vite. Euh, et je me dois, avant de continuer, de vous faire quelques petits rappels sur FFI. C'est vrai que j'ai fait une euh, un talk euh, il y a trois ans sur, euh, sur FFI euh, au forum PHP, mais euh, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas au courant de comment fonctionne FFI. En fait, FFI, c'est quoi C'est une extension de PHP qui est intégrée dans PHP depuis PHP 7.4. Et en fait, c'est assez simple. On va pouvoir directement exécuter euh, des fonctions de C en PHP. Alors, on va utiliser FFI de la sorte, on va lui dire, voilà, euh, j'aimerais que tu me présentes les, la fonction pow. Donc ça, c'est une, une déclaration qu'on va retrouver dans les fichiers header des fichiers de, de C. Donc euh, en C, on a les fichiers header et les fichiers source qui sont les points C. Donc, dans les fichiers header, on a les déclarations de prototype. On va venir utiliser ça et on va devoir déclarer également de où euh, vient cette fonction. Donc là, c'est la librairie standard PHP va être capable de la résoudre automatiquement. Sinon, ça peut arriver qu'on doive mettre le chemin complet vers la librairie. Voilà. Et après, directement, on va pouvoir utiliser euh, la fonction sur, sur notre objet FFI. Donc ça, c'est très pratique. C'est intégré directement à PHP. Euh, ne vous amusez pas à faire des choses comme ça. Ça n'a aucun intérêt dans le sens où, comme je vous disais, euh, FFI va devoir charger la librairie. Et ce chargement a un petit temps de latence. Euh, ça peut être intéressant pour gagner des perfs sur des gros process en C, mais concrètement, quand on a juste la fonction de PO ici, on va passer beaucoup plus de temps à charger la librairie qu'à exécuter. Donc reprenons. On veut afficher euh, notre fenêtre en SDL, avec SDL. L'initialisation, moi j'ai choisi FFI, hein, du coup. Euh, L'initialisation, elle est assez simple avec la librairie de Seraphim. C'est euh, juste, voilà, new SDL, tac, on va venir. Spécifier la librairie partagée. Alors petite information, euh, effectivement c'est inutile avec Linux parce que Linux euh, sur Linux on va être capable de résoudre beaucoup plus facilement les, les fichiers vers les librairies sont plus standards. Donc en fait la librairie résout, euh, résout le point SO. euh, et je dis point .so parce que souvent les librairies partagées c'est des points .so. Ça vous avez l'habitude d'en voir. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que sur macOS c'est des points Voilà comme ici. Et on a une petite subtilité parce qu'on doit charger une deuxième partie de la lib pour inclure des PNG dans notre application. Donc SDL image. Voilà, il y a deux packages en fait. La création d'une fenêtre, c'est assez simple. Si vous avez déjà fait du SDL par le passé en cours ou je ne sais pas, vous n'êtes pas perdu. On, on initialise une, une Windows, on lui, on lui donne la taille de la window, on lui donne quelques options. Alors, ça peut être autorisation de resize, euh, euh, autorisation de fermer, de quelle façon est-ce qu'on peut fermer la fenêtre, ce genre de choses. On définit un renderer aussi, également, euh, qui va être important pour la suite. Et là, c'est un petit, un petit paradigme qu'on va venir ajouter, qui est très inhabituel en PHP. On va devoir faire une loupe infinie, parce que. Afficher une fenêtre, c'est une chose, mais en fait, il faut qu'elle reste affichée et il faut que notre programme il continue de s'exécuter tout au long de, de sa vie. Donc, on va venir faire une boucle infinie. Euh, donc, la boucle infinie, c'est euh, un flag qu'on va mettre à true, while, true, bam. Le seul cas où ça va, on va mettre le flag à false, c'est quand on veut que ça s'arrête. Et donc, euh, on va utiliser les événements de SDL. Donc, ça, c'est pareil, c'est documenté vraiment dans... Euh, sur, euh, sur la librairie SDL, on peut l'utiliser directement et utiliser l'événement kit qui va être trigger par exemple quand on clique sur le fermer de la fenêtre, quand on va cliquer, quand on va faire alt tab, quand on va faire clic droit fermer, ce genre de choses. Tout ça, ça va trigger cet événement et ça va mettre fin à notre programme parce qu'on met running false. Il est bon de noter qu'à chaque, chaque exécution de notre, de notre boucle, on doit redessiner intégralement la fenêtre. Une chose que je ne vais pas répéter à chaque fois parce que <laughs> ça, ça, ça fait un peu longuet, mais concrètement on est en train de parler de C, même si c'est à travers PHP on parle de C, donc ça veut dire aussi qu'il y a un moment donné il faut clear la RAM, euh, il faut détruire les références, et donc euh, on a des fonctions ici qui vont nous permettre de, de régler tout ça afin de faire une bonne fermeture de points. Donc concrètement quand on exécute le code que je viens de vous montrer, et vraiment c'est l'intégralité de ce code, on a déjà une fenêtre qui fonctionne. Ça, c'est très sympa. Maintenant, la physique. Et c'est un peu l'objet du talk à la base. Euh, la physique, c'est quelque chose de plus compliqué. La physique, euh, on a des librairies qui sont très complexes, qui nous permettent de gérer la physique. Euh, construire une librairie autour de la physique, c'est l'histoire d'une vie. C'est, il y, y, y a beaucoup de travail effectué. Euh, c'est très complexe. Il y a beaucoup de cas à gérer. Donc, concrètement, il y a des librairies qui existent et Dieu merci, on va essayer de les utiliser. Moi, j'ai choisi Bugs2D. Ce n'est pas un choix innocent, c'est parce que euh, c'est une librairie qui est très très connue, qui, est, qui a été développée dans plein de langages. Et euh, c'est également une librairie que j'ai utilisée dans la version euh, JS de, de Game Ball, le, le jeu que j'essaie de recopier. Donc, je me lance dans l'utilisation de Bugs2D. Sauf que Bugs2D, c'est du C. Et comme je vous ai dit au début, ce qui est cool avec SDL, c'est que c'est en C. Ce qui est cool avec GTK, c'est que c'est en C. Ce qui est cool avec l'outil que je vous ai présenté, dernière qui permet de lancer un émulateur avec Pokémon dedans, c'est en C. Et donc là, on se retrouve avec une librairie écrite en C. C'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait On décide de réécrire Bugs2D Il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens qui l'ont fait en ActionScript, il y a des gens qui l'ont fait en JS, il y a des gens qui l'ont fait dans plein d'autres langages. Je ne me souviens plus exactement, mais c'est fait. Donc pourquoi pas euh, on ne ferait pas une extension PHP, parce qu'après tout, euh, c'est vrai que SDL a sa propre extension. Bon là, c'est un peu plus euh, délicat parce qu'on doit faire des bindings avec le C++, mais pourquoi pas. Une intégration FFI, bah, ça pose exactement le même problème. Hein. C'est FFI, je vous ai dit, ça attaque du C. Donc euh, C++, ça ne va pas marcher. Et un petit dernier, euh, pourquoi pas générer intégralement une extension grâce à Swig. Swig, c'est un outil qui permet de générer des extensions dans plusieurs langages, ça fonctionne avec C, -sharp, ça fonctionne avec Java, ça fonctionne avec Go, ça fonctionne avec Python, ça fonctionne avec plein de trucs. Ça fonctionne avec R, ça fonctionne avec D. Bref, pourquoi pas. Bon, on a plein de solutions possibles. Allons-y. Et là, c'est le moment où je rentre vraiment dans le retour d'expérience. Vous allez voir, ça va être compliqué. Donc, je me lance dans l'extension PHP. Très bien. Euh, conclusion de l'extension PHP c'est long. Parce qu'en fait, Box2D, c'est une, une librairie qui est énorme. Et donc, si je veux euh, faire tous mes bindings, etc., ça va être extrêmement long. Et en plus, moi, je ne sais pas développer une extension PHP. Il y a assez peu de docs sur le sujet, donc c'est compliqué. Euh, même en s'y mettant à fond, etc., c'est vraiment compliqué. Euh, et en plus, il y a cette histoire de binding à faire avec le C. Concrètement, ça m'a démotivé. Mais, si je peux vous donner un conseil, si jamais vous avez une extension PHP à faire, Vraiment demander à ChatGPT. C'est incroyable parce que ChatGPT, euh, quand on cherche comment faire une extension PHP sur Internet, on a beaucoup de mal à trouver des réponses, etc. Quand on tape comment faire une extension PHP dans ChatGPT, il nous déroule tout le processus pour faire une extension PHP et il est capable de nous aider quand il y a des bugs. C'est très très fort. Donc si jamais vous voulez faire une extension PHP, demandez à ChatGPT. Il est très très fort là-dessus et c'est vraiment impressionnant. Ah, pas évident, pas évident. <laughs> du coup, j'ai abandonné cette mission. Euh je suis passé du coup à l'étape d'utiliser Swig. Swig, très intéressant également. Swig, c'est un projet qui date de 1996, comme le logo euh, le suggère. Le support de PHP, du moins le support vraiment complet et propre de PHP, date de 2022 en revanche. Euh, mais ça permet quand même de générer des extensions PHP et je suis totalement étonné que ça ne soit pas beaucoup plus utilisé parce que c'est vraiment impressionnant. Concrètement, ils sont capables de générer avec du code C++ ou C. Ils analysent tout, c'est-à-dire qu'ils vont pas juste faire des regex sur les fonctions ou quoi. Non, ils ont pris Bison, ils ont dit on analyse token par token et on fournit un wrapper complet qui va nous permettre de faire une extension. Et ça marche en PHP, ça marche en C++, ça marche en tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment très 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 impressionnant. Après, ça vient avec un autre problème. Euh, qui est que ça, euh, ça utilise des fonctionnalités très très avancées en C et en C++, euh, qui parfois quand on a des wrappers ne fonctionnent pas très bien, bon, je vais y revenir. Mais pour, pour débuter avec Swig, je vous présente la configuration, donc si jamais c'est pareil, si jamais vous avez un binding à faire, c'est très simple, on va venir juste définir les fichiers .h, bon, en réalité dans le bloc 2D comme je vous disais c'est une grosse extension, donc là on se tape une vingtaine de fichiers .h, euh, Qu'on doit remettre un peu plus bas. Euh, ici, on est sur. Euh, on, on a l'impression que c'est un peu dupliqué, mais en réalité, sur, sur le haut, là, on va venir pouvoir euh, rajouter des types custom. Euh, donc, on va venir rajouter vraiment du C. Euh, alors qu'en bas, c'est plus pour euh, l'utilisation interne de Swig. Alors, bien évidemment, on va avoir besoin des sources. Hein, là, je ne l'ai pas précisé, mais là, il faut clairement récupérer les sources sur son ordinateur pour pouvoir travailler avec Box2D. Euh, J'invite. Euh, je vous invite à faire attention aussi à ce qu'on a au milieu, parce que euh, C, c'est un langage qui ne fonctionne pas du tout pareil que PHP. Et donc, on va avoir la possibilité, par exemple, d'implémenter les opérateurs. Euh, par exemple, dans Box2D, on a le vecteur. Le vecteur, c'est euh, bah, pour représenter un vecteur, hein, donc il y a x, y. Et euh, on est capable de faire vecteur plus vecteur, alors ça va faire un autre vecteur, en C. En PHP, évidemment, si on fait un objet plus un autre objet, ça donne des choses un peu bizarres. Et ce n'est pas supporté. Donc en fait, on est capable de donner directement en configuration à Swig. Hey, en fait, cette fonction-là, il faut que tu la renommes en telle autre fonction. Et lui, derrière, il va tout dérouler et il va transformer dans le wrapper qui génère toutes les fonctions et tous leurs appels. Donc ça, c'est très, très, très fort aussi. Pour euh, générer donc, notre extension avec Swig, c'est extrêmement simple. On va juste appeler Swig. Donc moi, j'ai utilisé le flag C ici. Pour bien préciser que je me base sur du C. Et ensuite, bam, on va venir compiler les sources qu'il nous fournit en utilisant d'ailleurs euh, le fameux point SO ici, euh, en utilisant les headers de PHP. Donc ça, c'est parce qu'on est en train de construire une extension PHP. Hein. Euh, donc on a besoin des headers PHP qui sont fournis par l'outil PHP config. Et là du coup ça marche bien, il n'y a pas de problème. Et on, des petites choses en plus à savoir, bien sûr, c'est que par exemple quand on compile box 2D en, de, de, en, en mode shared, en librairie partagée, on va avoir besoin de lui, de lui spécifier un petit flag supplémentaire. Donc voilà, ça c'est à peu près tout ce qu'il faut pour compiler une extension avec Swig. Et ça c'est assez fou. Euh, pour l'installer ensuite, moi j'ai fait un petit truc un peu custom, évidemment ça ne marche pas sur tous les ordinateurs, mais c'est juste un copier-coller de notre librairie, de notre extension, et ça va marcher tout de suite. Donc le problème de ça, c'est qu'en en fait, euh, et ben une box 2D, c'est une librairie qui est assez énorme et qui va comporter des usages assez avancés de C. Et SWIG, pour représenter ça dans un wrapper, il va avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes qui sont liés à des choses très très deep dans la libc. Et euh, dépendamment de l'architecture des ordinateurs, ça va potentiellement fonctionner ou ne pas fonctionner. Donc concrètement, je n'ai pas réussi à le faire compiler sur Mac par exemple. Enfin, si, sur Mac, mais dans un Docker. Ça ne m'intéressait pas. Et le problème, c'est que ça ne compilait pas non plus en AMD, parce que le code généré était, était généré pour une, une architecture ARM. Donc là, on rentre dans des choses qui sont un peu complexes, et il y a des solutions, mais ce n'est vraiment pas évident. L'avantage énorme euh, de SWIG, par contre, c'est évidemment si jamais vous devez développer une extension, là maintenant, elle va être super facile. Ça, c'est génial. Bon, on a l'impression que ça va être dur, là. Donc, allez, on recode Box2D. On utilise ChatGPT pour recoder bugs de d évidemment. Euh, en vrai, ça ne marche pas si mal, c'est un peu impressionnant. Bon, le seul problème, c'est qu'on ne peut pas lui donner toute une classe parce que ça dépasse euh, l'input de ChatGPT et que du coup, il perd le contexte et euh, on perd vraiment du temps sur le contexte. Mais en réalité, le plus gros problème que j'ai eu, euh, fin, bon, pour information, si vous voulez aller voir, vous êtes curieux, j'ai un repo où j'ai vraiment essayé de recoder bugs de dé. Euh, le seul problème, c'est que c'est nul. Euh, notamment parce que euh, quand on, dans les librairies C ou C ⁇ il y a souvent de la réimplémentation euh, de structures du langage, comme par exemple euh, des chaînes linkées, des doubles chaînes liées. Euh, on va avoir également euh, des tri, ce genre de choses. Sauf que ces structures de langage, elles vont, elles vont être implémentées avec de la logique métier. Et, euh, et du coup, quand on, a, quand on doit les réimplémenter en PHP, c'est le bordel. Parce qu'on n'a vraiment pas envie de les réimplémenter, on a envie d'utiliser les outils qu'on a à disposition, mais euh, c'est trop compliqué. Donc concrètement, euh, je me suis lancé dans FFI. Sauf qu'il y a toujours cette histoire de C. Ça, c'est galère. Hein. Donc j'ai créé un wrapper. On peut écrire directement euh, ce code-là. C'est une librairie que, qui va être développée en C. Et. Euh, et en fait, cette librairie, alors je dis que c'est du C, c'est du C++, je vous mens. Euh, sauf qu'en fait, ça expose du C. Donc, on va exposer des fonctions C dans du code en C++, qui va appeler du coup Box2D directement. Et ça, ça fonctionne. Ça, je peux le compiler directement en librairie partagée. Hop, avec le flag Box2D. Pour Mac, c'est un peu plus compliqué, mais ça fonctionne à peu près de la même façon. Il faut juste lui donner les chemins, encore une fois. Et hop, derrière, on peut l'utiliser avec ffi directement et ça fonctionne très bien. Je suis obligé de passer un peu vite, désolé parce que j'ai plus beaucoup de temps, <laughs> mais euh, concrètement ça, ça fonctionne très bien et là je vais pouvoir utiliser directement Box2D. Là on est content, on a gagné en fait. Voilà, là c'est gagné. Je vous donne un petit tips en plus, c'est que du coup vu qu'on est sur une librairie, euh, qu'on qu est en train de créer un espèce de wrapper intermédiaire entre les deux, on va pouvoir faire des fonctions qui vont générer des choses, générer plus de choses et nous éviter de devoir créer trop de bindings. Donc ça, ça permet de faire des petites fonctions custom. Donc là, cette fonction notamment, c'était pour, pour générer les murs de, de, de mon petit jeu. J'avais besoin que ça soit cadré dans un, dans un terrain de foot. Voilà. Et donc concrètement, on se retrouve avec notre petit jeu Gangball qui fonctionne. Et c'est que du PHP, on est plutôt content de ça, même si ça sert vraiment à rien. Concrètement des cas d'utilisation dans le monde réel, je vais passer aussi très très vite mais il faut savoir que euh, dans un jeu vidéo la physique elle est gérée côté serveur donc après tout pourquoi pas le faire en PHP puisque nous on travaille en, en côté serveur. Hum, pareil pour la, la, la boucle infinie que je vous ai présentée tout à l'heure, il faudrait vraiment revoir ça pour faire une event loop. Euh, ça fonctionnera très bien avec AMPHP ou ReactPHP qui fournissent des event loops. Euh, les websockets, pareil, euh, c'est dans une event loop avec AMPHP, ReactPHP donc, tout ça devrait bien fonctionner ensemble. Petite note sur les WebSockets, très rapide. Euh, concrètement, les WebSockets pour faire un jeu vidéo, ce n'est pas si terrible que ça parce que c'est du TCP. Donc, euh, peut-être que le futur nous amènera du UDP avec Web Transport. En attendant, c'est compliqué. Et dernière astuce, éventuellement, peut-être qu'on peut faire euh, une fenêtre d'erreur toute simple avec SDL, puisque ça, c'est le code quasiment complet euh, pour faire une fenêtre d'erreur. Donc, si vous avez besoin de faire une fenêtre d'erreur dans un de vos scripts, ça peut être utile. Voilà, c'est fini. Désolé pour le timer.